Voilà, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter peut-être rapidement. Donc, je m'appelle Sébastien H, je suis professeur de mathématiques en France. Je suis l'un des fondateurs d'une association de professeurs de mathématiques qui s'appelle Césamath, il y a maintenant plus de 10 ans. Et c'est à ce titre qu'on m'a demandé si je voulais témoigner dans le cadre du CLOM sur la question des modèles économiques des ressources éducatives libres. Alors, face à cette question, j'avais plusieurs options, et en particulier, il y a pas mal de textes déjà qu'on commence à voir circuler sur la question des modèles économiques, sur l'impact économique. Mais au-delà de cette référence bibliographique, ce qui m'intéressait surtout, c'était d'essayer de montrer différentes expériences. Et d'essayer de synthétiser en fait les bonnes pratiques autour des modèles économiques. Comment ceux qui ont déjà réussi à créer des ressources éducatives libres, comment ont-ils fait pour mettre en place leur système? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme souci, comme problème, avec l'idée que ben s'ils ont eu ces problèmes-là, peut-être que d'autres les auront aussi. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Est-ce qu'ils ont changé leur mode de fonctionnement? Quelle est leur perspective d'avenir? Donc, tout ça, c'est des éléments qui permettent en fait d'enrichir la base d'expérience sur les ressources éducatives libres. À partir de là, j'ai aussi réfléchi à un questionnaire en se disant, bah voilà, si moi j'ai envie par exemple de me lancer dans la création de ressources éducatives libres, alors soit à petite échelle, soit à grande échelle, qu'est-ce que je peux mettre en place comme modèle économique? Comment je peux faire en sorte que ce soit utile et intéressant, pérenne? Et donc, ces deux choses-là, les questionnaires et les témoignages, ben, ce sont des ressources qui nous permettent d'essayer d'explorer petit à petit les différents modèles économiques possibles pour la création de REM. Alors, quand on parle de ressources éducatives libres, il y a le mot libre, et ça nous renvoie à toute l'économie des logiciels libres, dont on sait déjà quand même pas mal de choses. Ensuite, il y a quand même ressources éducatives, et là, ça introduit, je pense, déjà vraiment des spécificités par rapport au logiciel libre. Par exemple, le système éducatif est différent dans chaque pays, la perception de l'éducation est différente dans les différents pays. Donc, suivant la façon dont chaque pays voit la question de l'éducation. Est-ce que c'est privé, public? Est-ce que c'est institutionnel? Comment sont produites les ressources? Est-ce que ce sont des ressources étatiques? Est-ce que c'est le privé qui produit ces ressources? Qui sont les prescripteurs? Enfin, bref, il y a vraiment des grandes différences entre les pays. Ensuite, la deuxième chose qui est spécifique pour ce qui concerne l'éducation, c'est que l'impact économique des ressources éducatives libres dépasse le modèle économique de ces ressources. Par exemple, admettons que produire des REL permet de diffuser plus largement des ressources éducatives. À ce moment-là, on peut penser que ça peut avoir un impact économique important sur un pays. Ça peut permettre de former plus et mieux, plus d'élèves et les former mieux. Donc ça peut avoir un impact non négligeable sur l'économie d'un pays. Donc on voit que c'est quelque chose qui est un domaine qui est sensible, l'éducation. Et par exemple, dans les choix possibles pour trouver des financements, en général, il y a la publicité, le recours à la publicité. Ben, par exemple, dans le domaine éducatif, recourir à la publicité, ça peut être quelque chose de compliqué, voire de contre-productif. On peut penser que parfois, avoir des ressources éducatives libres avec de la publicité, c'est pas forcément dans la ligne des choix qu'on peut faire quand on veut former nos élèves, quoi. Donc on voit qu'il y a une spécificité quand même qui est liée aux ressources éducatives libres.
Ceci dit, on retrouve quand même les grandes lignes concernant l'économie des logiciels libres avec les ressources éducatives libres. En particulier, comme les ressources constituent un bien qui n'est pas rival, en fait, c'est-à-dire que le possédé ne dépossède pas autrui. De ce fait-là, la richesse, elle peut pas venir. Enfin, la richesse ne vient pas de la ressource elle-même, mais de ce qu'il y a autour. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on peut faire vraiment un parallèle. Et en particulier, il y a des entreprises d'informatique qui se sont développées autour du logiciel libre. Et ces entreprises ont vraiment utilisé complètement toute la richesse qui est fournie par le logiciel libre. Mais le logiciel en question, ça n'a pas été la richesse première, ça n'a pas été leur moyen de subsistance. En général, ces entreprises fonctionnent grâce aux services qui sont associés aux ressources elles-mêmes. Alors, en matière de ressources éducatives libres, on peut penser qu'il y a un parallèle. C'est-à-dire qu'il y a des ressources éducatives peuvent se présenter sous différentes formes, mais ensuite, il faut que ces ressources, on puisse les amener dans les écoles, il faut qu'elles puissent. Il peut y avoir un suivi, il peut y avoir des installations à faire sur des ordinateurs, il peut y avoir des. Bref, tout un tas de services qui sont associés à ces ressources et pour lesquels il y a besoin de prestataires, de gens qui interviennent à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première grande, je veux dire, façon de concevoir le modèle économique de créateur de ressources libres, c'est d'associer un service à la ressource elle-même. Ensuite, il y a toute la question des produits dérivés, sachant que ça va très loin. Hein, on peut même considérer les services comme des produits dérivés à part entière, hein, de la ressource elle-même. Mais ça peut être aussi des produits dérivés matériels qui, eux, peuvent faire l'objet d'un commerce. Par exemple, dans le cas de Césamat, un cas que je connais bien, le produit dérivé, c'est le manuel scolaire papier. Alors, c'est étonnant de dire qu'un manuel papier est un produit dérivé d'une ressource numérique, mais pourtant, c'est bien le cas. Et dans ce cas-là, il y a toute une économie qui est liée à l'objet papier qui retranscrit une ressource qui, par ailleurs, est disponible et accessible par tout le monde. Alors, ça, c'est un cas, le cas des manuels scolaires, c'est un cas quand même emblématique, étant donné l'importance des manuels papier. Mais ça peut être aussi un produit dérivé sous forme numérique. Hein. Pourquoi pas l'association de ressources numériques avec un support comme une tablette ou un téléphone. Il peut y avoir différents modes, et peut-être encore des modes qu'on connaît pas encore, en fait, hein, qu'on est juste en train de découvrir, puisque les choses avancent, quoi. Donc les produits dérivés et les services, c'est quand même les deux pans les plus importants pour essayer de trouver des ressources. Maintenant, là, il y a d'autres spécificités, c'est que pour la création de ressources libres, c'est que on peut avoir recours aux utilisateurs, à la communauté des utilisateurs. Alors, on peut y avoir aussi recours à cette communauté quand il s'agit de ressources qui ne sont pas libres, mais c'est d'autant plus efficace et la communauté d'autant plus forte, je dirais, que les ressources sont libres. Il y a plusieurs façons de fédérer, en fait, les utilisateurs et de les faire participer au modèle économique de la création de ressources. Alors déjà, simplement le fait que les utilisateurs relisent les contenus ou participent même petitement à cette création, bah, quelque part, c'est déjà un facteur économique qui peut être non négligeable. Par exemple, il y a tout un. On sait qu'il y a beaucoup de. En matière de ressources éducatives libres, une des grandes difficultés, c'est de trouver les bugs, enfin les petites erreurs, qui peuvent. Et ça, par exemple, quand on a énormément d'utilisateurs qui sont eux-mêmes relecteurs ou qui sont testeurs, ça, c'est un vrai gain pour la qualité des ressources elles-mêmes, quoi. Donc, la première contribution, c'est déjà une contribution active à la création de ces ressources, ne serait-ce que par des relectures ou des petites modifications.
Et ça, c'est d'autant plus facile à faire que les ressources sont libres. C'est-à-dire que les participants, ceux qui relisent, ceux qui font des contributions, comprennent que leur contribution fait partie d'un ensemble vaste et que quelque part, ce sera reversé à la communauté. Là, on est assez proche de la notion de bien commun. Quelque part, on peut voir la ressource éducative libre comme un bien commun. Et donc, on peut avoir d'autant plus de facilité à contribuer qu'on a l'impression, ou enfin pas qu'une impression, qu'on sait qu'on contribue à l'édification d'un bien commun, alors qui pourra nous servir, hein, enfin qui pourra servir à chacun dans ses pratiques de classe, ou qui pourra aussi servir à d'autres, servir à la communauté en général. On peut aussi demander aux utilisateurs de contribuer directement au financement d'une ressource. Alors c'est d'autant plus vrai quand il s'agit d'une niche, par exemple. Alors, si jamais, par exemple, le marché ne s'occupe pas d'une ressource précise, parce qu'il y a trop peu d'utilisateurs de cette ressource, ou bien il n'y a pas de marché potentiel ou le marché est trop difficile. Bon, ça, c'est un cas extrême. Mais globalement, même si on n'est pas dans ce cas-là, on peut penser qu'il peut y avoir un intérêt pour les utilisateurs à contribuer directement, financièrement, y compris financièrement, à la création des ressources éducatives libres. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, ça peut être un appel à dons. Alors, l'exemple de Framasoft est intéressant à ce niveau-là. Framasoft, qui est très connu dans le monde du livre, se finance presque exclusivement grâce aux dons. Évidemment, il y a l'exemple aussi encore plus important de Wikipédia. Mais là, je veux dire, pas évident que Wikipédia soit tout de suite une référence accessible pour les personnes qui veulent créer des ressources libres en partant de rien, quoi. Je veux dire, c'est déjà un modèle qui fonctionne sur le grand nombre d'utilisateurs. En tout cas, faire appel aux utilisateurs, c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui peut permettre, alors suivant la législation de chaque pays, hein, il faut voir comment on peut se faire l'appel à dons, mais c'est quelque chose qui, en général, fonctionne, d'autant plus que on peut considérer que le but de constituer un bien commun est quand même un but qui peut être encouragé par la législation de chaque pays, quoi. Alors ça dépend, hein, faut regarder précisément, mais par exemple en France, il y a des crédits d'impôt pour les gens qui contribuent à des projets d'intérêt général. Alors, je ne sais pas comment ça se décline dans d'autres pays, mais ça peut être des incitations fortes à la contribution. Donc, alors il y a aussi un cas, malheureusement je n'ai pas réussi à avoir l'interview, mais il y avait un cas intéressant avec le logiciel qui est très connu en mathématiques, qui s'appelle le GeoGebra, où là ils ont carrément fait du crowdfunding, c'est-à-dire qu'ils ont fait un appel spécifique en ligne en disant, voilà, on voudrait créer GeoGebra pour tablette. Pour ça, on a besoin de autant de milliers d'euros. Et tant qu'on n'a pas atteint la barre fatidique, on ne se lance pas dans le développement. Et pour atteindre cette barre-là, on fait appel aux dons, aux participations des uns et des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui risque de se développer. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup actuellement dans le domaine culturel ou dans d'autres domaines, ça commence à se diffuser. Mais pas impossible que ça prenne de l'ampleur dans le monde éducatif, en partant des besoins des utilisateurs. Enfin, il y a une dernière grande source de financement pour les projets libres, c'est l'appel à l'argent public, sous différentes formes. Alors, à l'argent public ou au mécénat. Alors, des fois, c'est pas toujours évident de faire la distinction entre les deux, mais suivant le mode de fonctionnement de chaque pays. Mais globalement, il peut y avoir un intérêt pour un État, pour une ville, pour une institution quelconque, pour une organisation, par exemple la francophonie. On a le cas exactement là dans le cas de ce club avec la francophonie. Il peut y avoir un intérêt pour une institution à développer les ressources éducatives libres. Parce que ça peut constituer tout simplement une économie d'échelle. Déjà, ça peut être un argument. L'autre argument, c'est que ça peut contribuer à créer des usages coopératifs. Et donc, en donnant accès plus facilement à ces ressources, ça peut, comme je disais tout au début, contribuer à créer une dynamique économique
dans un pays, dans une ville, etc. Donc il peut y avoir des retombées économiques intéressantes de ce type d'investissement, quoi. Bon, pour le mécénat, on retrouve à peu près les mêmes logiques. C'est-à-dire, il peut y avoir des acteurs économiques qui ont un intérêt à voir se développer les usages coopératifs et la création de ressources en général, puisque de toute façon, ça a des retombées plus générales que simplement sur les ressources éducatives libres. Et donc, c'est l'un des grandes. Enfin, faire appel à ces institutions, enfin, les sensibiliser à la question des ressources éducatives libres, je pense que l'action en cours est importante à ce niveau-là, ben, ça peut permettre de trouver des pistes de financement pour pour les créateurs de ressources éducatives libres. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour la première partie, si je sais pas, il y a des questions peut-être ou je sais pas comment ça fonctionne par la suite. Je peux encore développer certains points. Sébastien, je te remercie. Je trouve ça particulièrement intéressant de voir les différentes sources et différents modèles, finalement, ta catégorisation sous quatre titres. Déjà là, on la retrouve dans le site, mais déjà là, il s'agit d'une réflexion que moi, je n'ai jamais vu ça à nulle part avant. Donc, je trouve ça très intéressant. Il y a énormément de questions, il y a énormément de choses qui surgissent. Je vais rapidement faire part de deux commentaires que nous avons reçus. De la part de Hubert Lalande, que nous saluons, Hubert, qui est en Ontario, que tu connais, Sébastien. Hubert disait, la fonction Wikipédia Livre pour publier des livres à partir du Wikipédia semble de plus en plus populaire chez les enseignants au Canada. Donc ça, c'est un commentaire de la part de Hubert. Il y avait un autre commentaire aussi de la part de Michel Dreschler. Elle nous dit, par exemple, le CNDP a établi des contrats pour les auteurs de ressources libres pour s'encorer. Et elle dit aussi, dans l'éducation nationale, des ressources sont produites durant le temps de travail, d'autres sont produites après la classe. Elle donne comme exemple le contrat d'auteur du CNDP. Donc, c'était deux commentaires. Je reviendrai, je vais peut-être laisser tout simplement Hélène nous apporter des questions parce que là, il en surgit beaucoup, beaucoup tout d'un coup, là. Oh, tu peux continuer, Robert. J'étais dans la Framapad à écrire des notes. Ça fait Très bien. si. Avec plaisir. C'est Bon, bon. alors, une question que nous avons d'Emmanuel Amy Newton, elle nous demande, est-ce que la notion de capital social dans les ressources éducatives libres a été étudiée? Alors, je ne sais pas du tout. C'est une bonne question. J'ai pas de référence. Alors, comme je disais tout au début, en fait, moi, l'objectif, c'était de partir. En fait, je suis pas économiste du tout. Donc, c'était de partir vraiment de l'analyse des pratiques. J'ai pas de notion. Je suis peut-être un internaute à des références sur le capital social, mais moi, je peux pas répondre à cette question, en fait. Je sais pas. Pas de problème, on n'est pas supposé tout savoir, donc on va reposer la question à la communauté. Une autre question que nous avons de la part de Bruno Tison, sous quel régime juridique un organisme REL peut-il embaucher des salariés? Alors là c'est une question intéressante, mais qui dépend beaucoup de la législation du pays. C'est-à-dire, ça dépend où se trouve l'endroit où le collègue pose la question. Alors, pour la France, par exemple, déjà, ça dépend de la structure juridique de l'organisme qui va embaucher. Est-ce que c'est une association qui en existe aussi au Canada, hein, il y a des associations à but non lucratif. En France, on a aussi ce type d'association-là. Est-ce que c'est plutôt une constituée en entreprise ou en SARL ou alors après il y a des en France il y a des systèmes qui sont mixtes, par exemple il y a des SCOP. On voit se développer en France de plus en plus, mais je crois que c'est beaucoup plus général, des entreprises dont l'objectif c'est l'entrepreneuriat social. Alors l'entrepreneuriat social, ça reprend peut-être un petit peu quand même la question de tout à l'heure sur le capital social. L'idée de l'entrepreneuriat social, c'est que la finalité, c'est en gros, hein, pour faire simple, pour faire rapide, c'est que donc c'est des entreprises qui sont dont l'objectif est la rentabilité de l'organisation comme toute entreprise, hein, mais la finalité c'est d'avoir une action sociale, une action dans la durée au niveau de sur la pour la société quoi. Donc c'est des entreprises un petit peu particulières
Mais je trouve que ça, ce type d'entreprise correspond bien quand même à l'esprit des ressources éducatives libres en général. Alors pour revenir à la question, pour embaucher des salariés, par exemple, moi je peux parler du cas de Césamat, qui est une association à but non lucratif et qui a embauché des salariés. C'est le cas aussi de Framasoft. Donc il n'y a pas de souci particulier pour embaucher des salariés à ce niveau-là. D'ailleurs, moi-même, je suis salarié de Césamat actuellement. Après, la question qui peut se poser, ça peut être de faire coexister, c'est une difficulté en tout cas dans beaucoup d'associations, de faire coexister des salariés avec des bénévoles. Et plus globalement, je pense que c'est une problématique plus générale, c'est comment faire coexister sur des mêmes projets des gens qui sont rémunérés, alors soit directement, soit indirectement. Tout à l'heure, Michel parlait de l'institution qui, ouais, par le temps de travail, dans le temps de travail, est-ce que c'est une forme de rémunération indirecte? Enfin, c'est une question. Quand un enseignant crée une ressource éducative libre, quel titre il la crée? Enfin, c'est une question qui reste un petit peu ouverte. Mais plus globalement, la question, c'est, ben, par exemple, elle se pose pour je pense, pour le modèle économique du CLOM sur lequel on est actuellement. Il me semble, hein, Robert, qu'il y a des gens qui sont à la fois bénévoles et d'autres qui le sont pas, pour qui c'est le travail. Et pourtant, ça fonctionne. Donc c'est un exemple intéressant, hein, ça marche, ça montre que ça peut fonctionner, mais il faut faire attention. Il y a sans doute des règles à respecter. Il faut, comment dire, le fait que les ressources soient libres, je pense, est une façon de pouvoir faire coexister un travail bénévole et un travail rémunéré. Puisque de toute façon, ce qui est produit reste accessible à tout le monde. Donc il n'y a pas l'idée que ce qui a été fait va être privatisé en quelque sorte et ne sera plus utile à ceux qui l'ont construit. Donc, je pense que si certains cherchent des raisons, en fait, ont besoin de trouver des raisons à créer des ressources éducatives libres, ça peut être, au-delà des aspects philosophiques, ça peut être une vraie raison. C'est faire cohabiter dans la création des ressources des gens, des personnes qui ont des profils et des motivations qui sont différentes, mais qui se retrouvent dans le fait que les ressources reste accessible par ailleurs, quoi. Pour ma part, je trouve ça tout à fait pertinent. Je te remercie, Hubert. On a d'autres commentaires. J'en citerai deux rapidement si je suis capable de les retrouver parce que tout ça bouge beaucoup. Bon, Hubert qui nous dit qu'il a justement, Hubert Lalande qui nous dit qu'il a justement suivi un atelier conférence sur GeoGebra Tube. Et il nous donne à la COPS, donc il lui donne une URL, donc Oui. nous pourrons aller consulter cela, on la mettra en ligne. L'autre commentaire, que je ne le retrouve pas, donc je vais juste passer à une autre question, puis moi j'amènerai un commentaire aussi. Bruno dit, les maisons d'édition traditionnelles fusionnent ou disparaissent? Est-ce que le risque du partage du marché ne va-t-il pas engendrer les mêmes problèmes, sans doute au niveau du libre? Alors, oui, alors la différence, et je pense que ça c'est une grosse différence, c'est que les acteurs peuvent disparaître, les ressources, elles vont rester. C'est le principe des ressources libres. À partir du moment où on a accès aux sources, je peux donner l'exemple encore je pars d'un exemple que je connais, l'exemple de Césamat. Donc Césamat a produit des manuels scolaires sous licence libre. Admettons que l'association vienne à disparaître dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Les ressources, elles sont toujours disponibles, elles peuvent être réutilisées, remodifiées, réaménagées, republiées dans d'autres pays. Je pense que ça, c'est un point qui est important en termes de pérennité. D'ailleurs, c'est la question de la pérennité des acteurs, c'est un vrai problème, hein. Quand on crée des choses et que tout d'un coup l'entreprise disparaît, on voit un petit peu les soucis que ça engendre. On a beaucoup moins ce souci-là quand on utilise des ressources éducatives libres, puisque quelque part, ce qui peut disparaître, c'est le fournisseur de services, mais la ressource, elle est toujours là. Et un autre fournisseur de services peut tout à fait venir remplacer le premier, quoi. Ça offre, je pense, une visibilité, une pérennité à la fois pour les créateurs et les utilisateurs de ressources. Ça, c'est des choses qu'on voit aussi dans le logiciel libre en général, hein. C'est pas spécifique aux ressources éducatives libres. Mais disons que c'est encore plus vrai pour les ressources éducatives libres dans la mesure où il y a un vrai coût de développement. Des ressources bien pensées, je pense que les éditeurs, les gens qui font l'édition, qui sont là en ligne, le savent, hein.
c'est un vrai coût, en temps, en argent, etc. Donc penser quelque part que ce qui a été produit ben, pourrait de toute façon être réutilisable, quelque part c'est un peu rassurant. Tout à fait. Et moi, j'aimerais bon, certainement préciser que dans le cas justement de toutes ces ressources qui sont créées au départ d'une maison d'édition ou au départ d'un éditeur de logiciels, lorsqu'il est libre, bien sûr, et on le dit, ça vaut la peine de le rappeler, mais quand on fait appel à la communauté pour faire la relecture, pour faire le développement de ce qui est déjà créé, alors on démultiplie par un nombre incalculable le potentiel créatif. Donc, et on diminue d'autant le risque que justement ce créateur-là, cette firme, cette compagnie au départ disparaisse, puisque la communauté l'a reprise. Donc, c'est très intéressant. J'enchaînerai avec un commentaire, puis peut-être une autre question, mais ça vient pas. Des gens qui nous écoutent, ça vient plutôt de moi, c'est que pour ma part, Sébastien, en écoutant puis en regardant toutes les vidéos que tu as transmises, j'ai remarqué un contexte et j'ai remarqué une disparité ou une distinction culturelle qui est très importante. Et nous en discutions au début de l'entrevue, c'est que bon, il est tout à fait clair que le libre et l'économie du libre est beaucoup plus en avancée, et surtout la philosophie du libre est excessivement avancée, particulièrement en France, sans doute plus en Europe de manière générale, je vois le Royaume-Uni, qu'il ne l'est au Canada. En regardant les façons que les gens arnachent, si on veut, le libre pour créer des entreprises viables en France, j'ai pas pu m'empêcher de trouver qu'ici au Canada, on est vraiment loin de cette réalité, on ne l'a pas fait. De là, le désir sans doute de notre part au GTA de décrire un tout petit peu le modèle, puis tu l'as bien dit Sébastien, comme ce clum qui fait appel à de l'argent public, qui s'inscrirait dans ton modèle ou ta source numéro 4, ta catégorie numéro 4 si on veut. On reçoit des deniers publics, on crée quelque chose et on s'assure de le rendre libre. Alors, la question est la suivante. Donc, nous, documenter cette réalité différente, nous avons créé une ressource, c'est-à-dire une vidéo. Et j'aimerais ça, Sébastien, que tu parles un tout petit peu de qu'est-ce qu'on est en train de créer comme ressource éducative libre par le processus de cette semaine, par le processus de ta vidéo et par le processus de ce que tu demandes aux gens de faire. Bah, c'est-à-dire que effectivement, l'idée, ce serait de créer une ressource éducative libre qui soit un ensemble de témoignages de personnes qui ont expérimenté en fait la création de REL, et en particulier sous l'angle économique. Alors pas seulement, parce qu'en général, pour comprendre l'angle économique, il faut comprendre les autres variables, hein. L'organisation, l'historique. On peut pas totalement disjoindre le modèle économique du modèle de fonctionnement, c'est évident. Mais il est clair aussi que quand on va un petit peu sur le web, quand on interroge les acteurs du libre en général, spontanément, ils nous disent pas en fait quel est leur modèle économique. C'est des choses qui restent un petit peu cachées. C'est pas volontairement. Je pense que c'est pas la volonté de cacher. C'est que chacun fait un peu son expérience et essaie de trouver ses propres règles. Et il a pas forcément l'idée que ça peut servir à d'autres. Hein, que en général, on se dit ce que j'ai trouvé, on le trouve souvent par tâtonnement. Et on a tendance à penser que ça peut pas être utile à d'autres. Or, de mon point de vue, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, plus on aura de témoignages différents, plus on aura de points de vue différents, plus on aura d'expériences différentes, plus ça pourra permettre à quelqu'un qui souhaite démarrer de s'enrichir de ses pratiques. Là, on est vraiment dans l'idée collaborative des ressources libres, hein. Mais l'idée, c'est de créer une ressource libre sur les ressources libres, hein, si on veut, une ressource libre au carré, hein, si, pour parler mathématiquement. Et cette ressource, en fait, l'idée, c'est vraiment de l'abonder, de la modifier. Alors, par exemple, les questions, les questions que j'ai posées sur le cours là, dans le club, là, qui sont en ligne, je pense qu'on peut apporter d'autres questions qui viendraient les compléter. On peut apporter d'autres témoignages qui viendraient compléter les témoignages qui sont déjà en ligne. Et ça pourrait constituer un ensemble qui aiderait le créateur de ressources libres à s'y retrouver, à aller plus vite, à assurer sa viabilité, parce que je pense qu'il y a un problème d'aller suffisamment vite au départ, pas faire trop d'erreurs pour que ce soit viable sur le moyen terme.
tout ça dans une idée d'écosystème en fait, hein, autour des ressources éducatives libres. Et pour répondre à ta question concernant le fait qu'au Canada, il y a peut-être pas encore suffisamment de créateurs de réels, je pense que c'est justement en montrant des exemples de réussite qu'on incitera les collègues à se lancer dans les ressources libres, quoi. Moi, je pense que quand j'interroge les gens en général et que je leur explique le modèle, par exemple, de Césamat, c'est l'incompréhension qui domine en premier, quoi. Comment vous faites des manuels scolaires? Je peux reprendre intégralement tout le manuel sur Internet, je peux le republier. Comment c'est possible? Est-ce que c'est viable économiquement? Et quand on dit, bah, vous savez, ça a permis de. Ce modèle-là a quand même permis de vendre à peu près 2 millions de manuels. On est dans des données qui ne sont pas des données. On commence à être dans du significatif. Donc, ça montre bien qu'il est possible de le faire. Alors là, je dirais qu'il faut passer du. Il faut être dans le théorème en acte, quoi. Il faut montrer les choses qui se font, et ça donne envie, après ça peut donner envie à d'autres, ben, soit de reprendre les initiatives, soit de éventuellement de les adapter. Je pense beaucoup aux adaptations, hein. On est, ça dépasse la question des règles. On voit actuellement comment se développent les services, les choses sur Internet. Il faut être constamment à l'écoute et aux aguets de ce qui se passe, parce que tout évolue très rapidement. L'éducation, elle, évolue beaucoup, beaucoup plus lentement, mais je pense qu'elle peut aussi avoir cette espèce de veille, et en particulier si on pouvait constituer une veille en interne dans la communauté des créateurs de ressources éducatives, je pense que ce serait utile vraiment pour tout le monde. Ça sécuriserait beaucoup de porteurs de projets. Hein. Donc, un appel, si vous souhaitez contribuer, hein, c'est très rapide, vous prenez une webcam, vous vous enregistrez, voilà ce que j'ai fait. Mes doutes, mes questions, mes envies, mes projets. Voilà, vous dites en quelques mots votre expérience. Elle pourra servir à d'autres et vous-même, vous pouvez vous enrichir d'autres expériences. C'est déjà une première façon d'entrer dans le collaboratif. Donc l'appel est lancé. Il a été clairement lancé dans le cours, Sébastien, et puis tu viens de le réitérer. J'ajouterais même que ceux qui n'ont pas le goût de prendre une webcam, vous pouvez tout simplement faire un texte et on l'ajoutera. L'engagement du GTA à l'intérieur de ce projet-ci, c'est une chose qui est intéressante à dire, c'est que, il y a certains subsides qui ont été fournis au GTA, c'est-à-dire à l'Université de Moncton, n'est-ce pas, pour créer cette ressource, mais maintenant, c'est depuis longtemps, l'enveloppe financière, elle est dépassée. Nous, c'est un investissement depuis longtemps en ressources de notre part parce que c'est un projet auquel on croit beaucoup. Et donc, on continue de s'engager, de développer cette chose-là. Donc, l'engagement de notre part avec, au départ, de la forme de l'objet d'apprentissage qui va, ou de la ressource éducative libre qui sera créée avec ça, ça prendra la forme suivante, ça sera un questionnaire, forme de diagnostic qu'on présentera aux gens qui se demandent comment est-ce que je suis capable de rentabiliser ma situation avec les ressources éducatives libres et plus largement le libre. Les gens répondent aux questions, regardent les questions pour identifier qu'est-ce qui représente le mieux leur situation à eux. En fonction de cette situation-là, on va leur suggérer ensuite de ça les témoignages et les textes que vous allez nous donner, donc les vidéos qui ont été remises. On va les suggérer comme des exemples qui nous sont donnés de réponses ou de pistes de réflexion qui pourraient alimenter leur propre réflexion en espérant que ça va alimenter la boucle. Et puis, donc c'est ça la démarche que je trouve tout à fait originale que nous avons entreprise dans cette semaine 7. Maintenant, deux autres questions. De la part d'Hubert Lalande, Sébastien, Hubert demande, est-ce que tu pourrais détailler, sans tomber dans l'information confidentielle, les principes de l'entente entre Césamat et les éditeurs, distributeurs privés pour la vente des ressources imprimées? Oui, bien sûr. Alors déjà, un point important, c'est que donc Césamat, je reprécise, c'est une association à but non lucratif, loi de 1901. Donc Césamat ne travaille pas avec uniquement un éditeur, mais actuellement avec trois éditeurs différents. Ces éditeurs sont tous dans le domaine des entreprises, dans le domaine privé, concurrentiel, classique. Alors, je pense que c'est un point qui est important. Ensuite, l'association établit un contrat en fait avec chacun de ces éditeurs. Le contrat porte spécifiquement en fait sur la ne peut pas porter en fait sur les contenus même puisqu'ils sont mis à disposition de la communauté sous une licence qui peut permettre à n'importe quel éditeur de les publier. Hein. En fait, le contrat porte sur la publicité en quelque sorte que l'association
va faire de la ressource éditée, hein, auprès de la communauté des utilisateurs. C'est ça qui est un petit peu original, je trouve, dans la démarche. C'est pas un contrat d'auteur au sens classique, puisqu'il n'y a pas d'auteur. Les auteurs, par exemple, d'Emmanuel Samat ne sont pas rémunérés. Ils font ça sous le bénévolat, sont bénévoles pour faire ce travail-là. Par contre, l'association, elle touche une certaine somme d'argent sur la vente des produits dérivés que sont les manuels papier, parce qu'elle en fait la promotion auprès de la communauté, des gens qui sont associés quelque part. En faisant la promotion de ces produits dérivés, l'association rend service à ses utilisateurs et ça permet de boucler en fait la boucle du modèle économique, quoi. Effectivement, c'est un modèle qui est très très original en soi. Peut-être est-il reproductible au Canada, hein. J'invite Hubert à tester la chose. Il faut faire des essais, c'est ça qui est intéressant. Hein. Bon, alors Hubert te répond en différé, mais ça n'a pas rapport avec ton propos puisqu'il l'écrivait avant toi, mais il disait: pour moi, le plus incroyable, ce sont les enseignants qui travaillent gratuitement pour la co-rédaction de manuels qui se vendent à l'imprimé. Il dit c'est impensable ici au Canada. Je pense que ça, c'est un point sur lequel il faut revenir. C'est un point sur lequel j'ai insisté dans le questionnaire. Qu'est-ce qui motive des personnes à travailler bénévolement pour un projet? Je pense qu'il faut avoir conscience de ça pour voir quels sont les ressorts, en fait. Parce que derrière ce bénévolat, il peut y avoir des motivations qui sont différentes. La première motivation, ça peut être quand on travaille sur une ressource, de se former soi-même, de s'améliorer en tant qu'enseignant. Donc c'est une question de formation. Ça peut être une motivation importante, ça. Je crée des ressources avec d'autres. C'est intéressant si c'est collaboratif, hein, en général. Je crée des ressources avec d'autres, je me forme moi-même, je m'améliore dans mon métier. Alors si je m'améliore dans mon métier, peut-être aussi qu'à terme, ça pourra m'aider à obtenir une promotion. Donc indirectement, ça pourra m'aider dans ma carrière. Ça, c'est un modèle qu'on retrouve d'ailleurs dans le logiciel libre, hein, c'est-à-dire les contributeurs qui contribuent bénévolement à des logiciels libres se font repérer, peuvent se faire repérer par des entreprises, donc améliorer leur situation professionnelle. Donc ça, c'est une première chose qui peut advenir. La suivante, elle est d'ordre philosophique. C'est vrai que il y a des personnes qui ont plaisir en fait à travailler sur des projets collaboratifs. Et la question, c'est, ils se disent, est-ce que en le faisant ça, est-ce que je suis exploité en fait? Est-ce qu'il y a une exploitation de mon travail par d'autres? Je pense que c'est là où il y a un point qui est vraiment un point qui est central. Et ça joue du coup sur la question du modèle. Je reviens sur l'exemple de Césamat. C'est vrai qu'il y a des éditeurs qui éditent les manuels papier et quelque part ils font des bénéfices sur les. C'est tout à fait normal et c'est quelque chose de. Ça fait fonctionner le système économique, mais ils font pas non plus des bénéfices qui sont astronomiques. Il y a une régulation qui se fait par exemple sur le prix des manuels qui sont inférieurs à ceux du marché. Et quelque part, ça instaure une espèce de confiance qui fait qu'il y a des enseignants qui sont prêts à se. Je pense que le mot important, c'est le mot de confiance, en fait. Hein. Il faut créer des structures qui inspirent la confiance avec des règles claires. Et ça peut permettre à des gens de participer bénévolement. Ensuite, effectivement, c'est un dernier point sur lequel je voudrais insister. Ça dépend aussi quel est le degré de complexité de la contribution. Créer tout un manuel à partir juste de une ou deux personnes bénévoles, c'est un travail qui est peut-être trop important. Le faire à partir d'une communauté vaste, qui ont des règles, qui travaillent à partir de règles claires, c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus envisageable. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas imaginer non plus que tout puisse se faire sous le signe du bénévolat. Et c'est bien pour ça que je parlais tout à l'heure de savoir quel était le bon partage entre qu'est-ce qui doit être rémunéré, qu'est-ce qui doit être bénévole, en fonction des motivations et des intérêts de chacun, hein, qui peuvent évoluer, hein, dans le temps d'ailleurs. Donc, des commentaires, Sébastien, de ta part, qui suscitent énormément de questions. J'ai beaucoup de choses à dire moi-même, mais je vais plutôt passer la parole aux gens qui sont en ligne. Nous avons, c'est pas nécessairement la première question que je veux prendre, mais Louis-Thomas Lemana, qui dit, est-ce que les ressources éducatives libres ont pour finalité de sortir définitivement les maisons d'édition traditionnelles du circuit du livre? Ah non, ouais, là je peux répondre simplement que non.
je pense pas du enfin ça peut pas être une finalité en soi et je pense que ça n'a pas de sens quoi. C'est sans doute une façon complémentaire d'enrichir la question de l'édition. On peut même se dire d'ailleurs que certaines maisons d'édition vont intégrer le modèle économique du livre dans leur fonctionnement. Bon, bah moi en tout cas, c'est un avis personnel que je donne, hein, c'est pas celui de Césamat, mais c'est un avis personnel. Je pense qu'il y a des compétences importantes qui existent dans les maisons d'édition, qu'elles soient privées ou institutionnelles ou semi-institutionnelles, enfin bref, tout type, et que ces compétences-là, enfin, ce serait totalement dommage de les perdre et de vouloir les perdre, quoi. À mon avis, il faut voir ça en termes de complémentarité et en termes peut-être d'aiguillon aussi, c'est-à-dire ça peut aussi permettre à un éditeur de se remettre en question sur certains aspects, de travailler par exemple plus sur les services que sur le contenu. Je pense que ça, c'est un point qui est important. Souvent, on se rend compte que dans l'édition classique, il y a livraison d'un produit, puis derrière, il n'y a pas de service après-vente. Donc peut-être que aller vers le service, ça peut être intéressant pour l'utilisateur. Donc moi, je pense qu'il faut regarder les choses en termes de complémentarité, d'évolution, et pas de confrontation directe, manichéenne, ou je vois pas trop, quoi. Ouais. Ta dernière réflexion me fait énormément penser à quelque chose, à ce congrès auquel je participais à Philadelphie. La thématique, c'était la thématique des MOOC, des cours en ligne ouverts et massifs, et... J'ai complètement oublié ce que je voulais dire parce qu'il a surgi quelque chose. Ça va me revenir, Sébastien. Excuse-moi. C'est le téléphone chez moi, mais ça, c'est pas grave. Ça va bien. Bon, alors passons à une autre question. Je crois que tu l'as répondu, celle-ci. Le fait que la production des ressources éducatives libres soit basée en grande partie sur le bénévolat n'est-il pas un frein du point de vue des prescripteurs payeurs? À mon sens, tu as déjà répondu, mais est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Ouais, moi je pense que les choses vont se réguler à ce niveau-là, c'est-à-dire au départ, pour faire fonctionner le modèle, sans doute qu'il fallait, enfin, c'est vraiment une réflexion personnelle, hein, sans doute qu'il fallait une dose de bénévolat supérieure à celle de fractions rémunérées. À terme, je pense les choses risquent de s'équilibrer et qu'on risque de voir des coexistences beaucoup plus fortes entre bénévolat et entre bénévolat et salariat ou on va dire rémunération. Hein. Et là aussi, il y a peut-être des modèles à inventer, des modèles hybrides, des choses qui sont... à mon avis, les choses ne sont pas du tout stabilisées à ce niveau-là, et il faut voir aussi comment ça évolue dans le temps, parce que le bénévolat, ça peut ne pas durer dans le temps, ça peut prendre des formes diverses, c'est des questions qui sont, à mon avis, des questions vives, et des questions dont il faudra voir l'évolution au cours du temps. Personnellement, je pense qu'on va vers un rééquilibrage en fait des apports des différents acteurs. Merci. Et j'ai retrouvé mon commentaire. Du coup, tu disais que le fait que les gens contribuent aux ressources éducatives libres ça peut être, et aux manuels d'édition, que ça libérait les maisons d'édition justement pour se tourner du côté des services. L'analogie a été faite de la même manière. Un des présentateurs à la conférence montrait un exemple d'antan où est-ce que tu trouvais un maître et son élève sous la forme de tutorat dans les métiers. Comment est-ce que quelqu'un adopte, prend quelqu'un sous son aile, quelqu'un qui connaît son métier, pour le montrer à une personne. Alors là, on a un enseignement d'une personne à une personne. Et son raisonnement était que le fait qu'avec les cours en ligne ouverts et massifs, avec les ressources éducatives libres, justement, on dégage des enseignants pour retourner à l'acte d'enseignement original qui est d'accompagner l'apprenant de manière très, très personnelle, très, très rapprochée. Donc, c'est une analogie que je trouvais intéressante à rapporter. La question... Juste pour revenir, je reviens juste sur ce point-là, parce que ça me fait penser à un point qui me semble essentiel, c'est que la création de ressources libres dans le cadre de communautés d'utilisateurs, je pense que ça, c'est un bon modèle globalement pour envisager la création de ressources libres, en partant de communautés. Ça permet aussi quand même de créer des ressources qui sont directement basées sur les besoins d'une communauté, donc sur les besoins des utilisateurs. Je pense que c'est important parce que on a quand même... Enfin, moi, j'ai quand même connu beaucoup de ressources pédagogiques, pas forcément libres, pas forcément numériques, mais qui étaient un peu en déconnexion des besoins réels du terrain. Or, si on pense qu'une ressource est en connexion
forte avec le besoin, on peut penser, ça reste une hypothèse, mais on peut penser que l'acte éducatif s'en trouve renforcé. Puisque s'il y a trop d'écart entre le besoin et la ressource, ça demande beaucoup d'efforts à l'enseignant pour pouvoir l'adapter, la mettre à disposition de ses élèves, etc. S'il peut gagner ce temps-là, je pense que ça rejoint ta remarque, pour personnaliser le travail, pour être plus actif au niveau de ses élèves, alors je pense que là, on a un autre effet des ressources éducatives libres, c'est qu'elle pourrait permettre, bon, je pense qu'il faut rester dans le conditionnel, mais elle pourrait permettre d'améliorer globalement l'acte d'éducation. Bon, ce qui est un objectif en soi, quand même, je veux dire, enfin, ce qui est l'objectif en soi, quand même. Bon, alors, je voulais juste dire tantôt la question au sujet de est-ce que si la production est passée en grande partie au bénévolat, est-ce que ça freine les prescripteurs payeurs, à laquelle tu as répondu. C'était une question de Jean-Louis Fricot. J'en apporte une autre d'Emmanuel Amy Newton à nouveau. Elle en avait posé une question. Maintenant, sa question est intéressante. C'est la suivante. L'exploitation de données, le data mining, est-ce que ça pourrait être une avenue alternative à la publicité? Une avenue qui assurerait la pérennité économique des ressources éducatives libres. Ouais, je pense que c'est un point important, effectivement. C'est quelque chose qu'on voit se développer. Hein. Ça dépend après moi, j'ai une vision qui est un petit peu mathématique des formations professionnelles, mais il y a beaucoup de disciplines d'enseignement où, effectivement, le fait d'avoir accès à toutes ces ressources permet de construire des réels à partir de données déjà exploitables. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un point important. On en est au tout début encore de cette question-là, mais il va falloir penser des ressources qui permettent de mettre en scène les ressources de base, en fait, les données de base, hein, les data, on va dire que le mouvement de l'open data va bien dans le sens de DRL, je pense, enfin, c'est assez clair dans le point de vue. Hein. Merci Sébastien. Michel Dreschler pose la question, est-ce qu'on peut imaginer des partenariats avec des éditeurs qui seraient partants pour éditer des manuels libres, par exemple? Oui. Bah oui, je pense. Oui, et on l'a assez démontré, n'est-ce pas? Oui, je pense que vraiment il faut. Oui. Je pense même que les éditeurs actuellement sont demandeurs d'expérience dans ce domaine-là, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai champ d'expérimentation. Là, je m'adresse à tous ceux qui veulent tenter, qui veulent se lancer dans la création de ressources libres. Il ne faut pas hésiter, en fait, à aller de l'avant, à proposer, à s'appuyer sur le mouvement des REL qui est engagé maintenant. Hein, on voit bien, là, avec ce que fait la francophonie, hein, en appui de... Il faut pas hésiter à inventer les modalités de la suite. Je pense qu'on est on arrive à un point où les acteurs se posent des questions, et quand les acteurs se posent des questions, les différents acteurs, eh ben, ils sont beaucoup plus ouverts à faire des essais, à regarder ce qui se passe, à expérimenter, et faut surtout pas hésiter à se lancer dans l'expérimentation. Très bien. Du point de vue de commentaires, Hubert est très loquace aujourd'hui. Il mentionne qu'une référence pertinente d'Emmanuel E.N. au sujet payé versus bénévole, et il nous fait suivre une adresse URL qui s'intitule Predictability Irrational. Donc, nous la mettrons en ligne, elle aussi. Et Emmanuel... Pardon? Je dis merci Hubert. Oui. Et Hubert disait aussi qu'il allait essayer tantôt à ton incitation, je ne sais plus pourquoi, là, mais bon, le dialogue voudrait s'engager, mais ne peut pas parce que je suis l'intermédiaire puis je ne suis pas vraiment un bon relayeur. Mais Emmanuel adresse un commentaire à Hubert, elle dit « Oui, il faudrait situer les ressources éducatives libres en fonction des créateurs versus les utilisateurs et en fonction des normes sociales versus les normes économiques. » Alors, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire là-dessus, Sébastien. Ouais, je sais pas si je comprends trop la remarque. Situer les ressources éducatives libres. En fait, je comprends pas trop la question, donc il faudrait préciser. J'ai peut-être des choses à dire, mais. Oui, c'était la question. Situer les ressources éducatives libres des créateurs versus celles des utilisateurs en fonction des normes sociales et économiques. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un avis pour tout. Je crois comprendre qu'il y a la question des ressources, peut-être c'est une vraie question, des ressources qui sont, euh,
qui sont créés spontanément par les enseignants et qui sont pas forcément dans un processus de création, on va dire, au sens d'une structure, d'une association, d'une entreprise, etc. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces ressources qui sont créées massivement par les enseignants à droite, à gauche, qui souvent ne sont pas placées sous une licence. En fait, en général, c'est comme il n'y a pas de licence libre qui est spécifiée, donc elles sont fermées. On ne peut pas les réutiliser, ça ferait demander l'utilisation. Je pense que effectivement, ça constitue une vraie richesse et à la fois un vrai défi parce que finalement, il y a assez peu d'institutions qui ont réussi vraiment à d'institutions, de groupes, etc., qui ont réussi vraiment à favoriser tout le travail de mutualisation, d'indexation de ces ressources-là. Alors, au niveau de ces AMAT, on avait identifié trois caps, hein, dans la création de ressources. Le premier niveau, c'est la mutualisation. On essaie de regarder les gens qui produisent et à partir des ressources qu'ils produisent à droite à gauche, on essaie de construire une banque de ressources unifiée en indexant, etc., qui permet à un utilisateur de s'y retrouver. Le deuxième niveau, c'est un niveau coopératif où les gens, à un moment donné, se disent plutôt que de faire chacun indépendamment de son côté, on va essayer de se répartir le travail. Admettons qu'il y ait, on regarde, là il y a ce domaine-là qui n'est pas bien pourvu en ressources éducatives libres. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de se répartir le travail pour couvrir ce domaine-là, par exemple? Et il y a un troisième niveau qui est le niveau le plus difficile et qui est vraiment qui pose des questions, y compris sur la pédagogie, enfin des tas de questions, qui est le travail collaboratif, où là cette fois-ci les gens s'associent pour créer ensemble une même ressource. Donc ils doivent discuter en amont pour trouver les bons critères, pour savoir les choix qui vont opérer. Enfin, il y a tout un travail de réflexion. Alors je dis que c'est difficile parce que c'est chronophage, ça demande énormément de temps. Ça demande aussi une culture de l'écoute. Alors je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, mais ou dans d'autres pays francophones. En tout cas en France. Pas évident, pas toujours évident pour un enseignant de se remettre en question et d'écouter les critiques, même constructives, de ses collègues. Donc ça demande une vraie question culturelle. Mais on peut penser aussi que à ce moment-là, ça devient un acte éducatif. Hein. Je pense que Michel, c'est ce que fait Michel quand elle fait ses parcours de formation. Elle utilise finalement les aspects collaboratifs pour montrer aux enseignants qu'on apprend mutuellement les uns des autres, quoi. C'est une révolution à l'intérieur même des institutions, d'un certain point de vue. Quelle belle réflexion, bravo. Jean-Louis Frucot posait une question il y a longtemps, puis je ne l'ai pas relayée, alors je me reprends. Comment faire? La question est intéressante aussi parce que on parle beaucoup de ces AMAT, on parle beaucoup du domaine des mathématiques. Lui, il pose la question, comment est-ce qu'on peut faire SME, donc répandre le concept ces AMAT vers d'autres disciplines scolaires? Alors, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Moi, mon avis, là encore, c'est un avis personnel parce que CESAMAT, en tant que association, a tenté beaucoup de choses, notamment se rapprocher d'autres associations, essayer de faire des formations, etc. Mon avis personnel, de plus en plus, c'est que beaucoup de choses partent de porteurs de projets individuels. C'est-à-dire qu'il faut pousser les personnes qui se sentiraient individuellement prêtes à se lancer. D'où l'intérêt, je pense, de créer cet écosystème, cette banque de ressources, cette banque de questions, sécuriser les porteurs de projets. Souvent quand même, ça part d'initiatives individuelles. Et ce qu'on voit ensuite, c'est qu'il suffit que plusieurs initiatives individuelles se croisent, se recoupent, et là, ça peut donner lieu après à des mouvements plus vastes, quoi. En tout cas, ce dont je suis maintenant certain, c'est qu'on ne peut pas décréter l'essaimage, ça se décrète pas, on peut pas dire, enfin, on peut toujours le décréter, mais ça aura pas d'effectivité. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de favoriser les conditions d'émergence. Et je pense en particulier que toute la réflexion globale qui a lieu actuellement sur les REL, le fait qu'il y ait des institutions comme l'OIF, comme d'autres internationales qui s'emparent de la question, qui sont prêts à financer certains points, etc., créer les conditions d'émergence, favorise les porteurs de projets, et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à SME, quoi. En tout cas, déjà, si on arrivait à mutualiser les exemples, à montrer ce qui est possible de faire, à faire connaître ce qui est possible de faire, je pense qu'on multiplierait les chances d'essaimage.
Ensuite, il y a aussi des difficultés spécifiques à chaque pays, à chaque discipline scolaire. Il ne faut pas mésestimer ce genre de choses-là, hein. C'est vrai, c'est clair. Il faut sans doute faire des adaptations. Partir d'un modèle, adapté, et voilà. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, clairement. Oui, oui. Mais là, c'est une très, très bonne réponse. Beaucoup, beaucoup de pistes de réflexion dans ce que tu nous dis, Sébastien. Emmanuel Amy Newton a précisé sa pensée. Elle dit, je veux vous la dire avec son commentaire à Hubert ou sa question, que, et c'est une idée que la création gratuite des ressources éducatives libres ne veut pas forcément dire que les utilisateurs ne doivent pas payer pour utiliser les ressources, et on a bien discuté de ça, et elle ajoute par rapport à ça que le gain peut être aussi bien social ou économique. Et à ce sujet, Je vous renvoie à la question de l'entrepreneuriat social. Pour moi, c'est clairement cette idée-là, quoi. On peut très bien imaginer des organisations qui fonctionnent sur le mode entrepreneurial, c'est-à-dire avec efficacité, rigueur. On n'est pas dans le bazar, hein, au sens dans le logiciel libre, il y a toute la théorie du bazar, cathédrale et le bazar. On peut très bien avoir des cathédrales qui sont pensées hiérarchiquement, etc., qui produisent des réels, et parce que la vocation principale est une vocation sociale pour changer la société à différents niveaux, hein. Là, on voit bien le potentiel des ressources éducatives libres, elle est énorme. À partir du moment où on joue sur l'éducation des enfants, on voit bien, hein, tout ce que faire coopérer les élèves, déjà, faire coopérer les élèves sur des ressources libres, c'est un enjeu en soi. Les amener, partager des ressources, et là je pense aux pays, notamment en voie de développement, où il manque des ressources éducatives. Là où il y en a déjà plein, on peut se poser la question, mais là où il en manque, la question ne se pose pas. Si en manque et que les ressources éducatives libres permettent d'en amener, forcément il y a un gain. Et le gain, il est autant social, politique qu'économique, hein, d'une certaine façon. Merci tout à fait. Puis je relaye deux commentaires coup sur coup de la part d'Hubert. Il dit d'une part que la réalité et les cultures corporatives du monde de l'enseignement, donc, et il précise en disant un manque de volonté de partage, conservatisme, etc., c'est la même chose ici au Canada, puis ça semble pas mal universel. Il ajoute d'autre part que le C-Forp, qui est son entreprise qui est privée à but non lucratif, ce serait pour lui une intention à titre d'éditeur que de trouver un modèle économique viable. Donc, pour lui, c'est clair que la discussion est très intéressante. Et question de Jean-Baptiste Ballant, il demande quels sont les profils des utilisateurs de vos ressources en ligne et ceux des manuels? Donc, les ressources, quels sont les profils des utilisateurs des ressources en ligne et des manuels scolaires? Alors, il y a différents profils. En fait, il y a ceux qu'on attendait, c'est-à-dire les enseignants de mathématiques en France. Ça, c'était quand même la cible au départ. C'est pour ça qu'on a créé des ressources. Et ensuite, il y a toutes les utilisateurs qu'on n'attendait pas. Et je pense que c'est aussi un des miracles des ressources éducatives libres, c'est que ça déborde le cadre qu'on s'était fixé, quoi. En particulier, beaucoup des ressources qu'on crée à usage des enseignants ont été utilisées directement par les élèves et les parents. Si c'est accessible sur le web, donc pourquoi pas y aller utiliser directement ces ressources. Ce qui a posé à l'association d'énormes questions. Parce que quand on présente des ressources pour les enseignants, c'est pas pareil que les présenter pour les élèves et les parents. Donc ça oblige à réfléchir à comment adapter ces ressources, quelles sont les utilisations, etc. Ensuite, ces ressources ont été utilisées en dehors de la francophonie, en dehors de la France, pardon, au niveau de la francophonie. Et là, ça pose d'autres questions qui sont des questions vraiment intéressantes. C'est à partir du même ressource, les suivants avec des cultures des cultures d'enseignement différentes, on va utiliser les ressources différemment. Donc il y a vraiment des croisements culturels. Et je crois que c'est une des forces quand même des ressources éducatives libres de permettre de sortir un peu de sa zone de confort. On est confronté à des choses qui ont la dimension d'Internet, hein, donc qui n'ont pas de frontières. Et ça questionne, ça pose des questions aux créateurs de ressources. Et à mon avis, tout ce qui pose question est utile pour progresser et grandir, quoi. Donc c'est utile. Bon, à partir du moment où on en tient compte, hein, on peut très bien ne pas en tenir compte, mais
Donc voilà, pour le profil très varié, on va dire, on est parti de l'enseignement français en mathématiques à tout type d'utilisateur qui a intéressé finalement par se perfectionner, dans notre cas en mathématiques, sans compter tous les enseignants des autres disciplines qui à un moment donné disent, mais pourquoi il n'y a pas ça dans d'autres matières, quoi, voilà. Je crois que nous allons bientôt conclure. Sébastien, c'est pas faute de questions. Le sujet clairement interpelle beaucoup les gens et sont très intéressés. Hubert Lalande nous dit en ce qui concerne les services que peuvent apporter les éditeurs, il précise de révision des contenus et de la pédagogie, révision linguistique, mise en page, impression, réseau de distribution, promotion de ressources. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que c'est fort fait. Ça ressemble aussi à ce qu'on fait nous autres. J'aimerais juste apporter aussi une réflexion. Sébastien, tu as commencé en disant que les ressources éducatives libres étaient un petit peu distinctes dans leur réalité que celles du logiciel libre dont en quelque sorte nous découlons. Et au niveau du logiciel libre, tu sais, et de la réalité nord-américaine, ça demeure toujours pour une institution comme notre institution à l'Université de Moncton et d'autres, ça demeure une lutte que de convaincre l'institution d'adopter un logiciel libre plutôt que d'acheter ou de payer les services d'une entreprise qui est à quelque part. Donc, moi, comme personne qui travaille dans une boîte adjacente à l'université, sur un modèle complètement autofinancé, dans le sens que nous, c'est pas l'université qui nous paye, c'est nous qui allons chercher les services et qui pour subventionner et faire vivre les 15 personnes qui travaillent chez nous. De la même manière, j'aimerais voir une institution comme mon institution d'appartenance investir plutôt dans des programmeurs et des ressources humaines chez elles qui sont capables de contribuer à un logiciel libre et ouvert pour l'implanter chez eux et le supporter, plutôt que de payer constamment tous les années des gros, 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 gros montants des compagnies externes, puis qui font pas nécessairement ce que tu as besoin de faire. Donc, ça, c'était mon petit grain de sel. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, puis après ça, on passera la parole à Hélène. Oui, bah je suis d'accord. Je pense qu'il faut, par mon point de vue personnel sur la question du logiciel libre en général, c'est qu'il faut une vision très pragmatique des choses. C'est pour ça que je pense qu'il faut montrer ce qui fonctionne. Il faut convaincre parce que tu parlais des institutions, il va falloir convaincre les institutions. Il faut les convaincre à partir d'exemples, à partir de réalisations concrètes. Il faut montrer l'intérêt. Je veux dire, si le discours il est que philosophique et que bon, je dis pas que le discours philosophique est inintéressant, il est vraiment important, mais c'est pas forcément suffisant pour inciter les décideurs à se bouger, aller dans. Bon, après, je pense aussi que en tant qu'institution, le fait d'expérimenter différentes voies est une forme de responsabilité. Après tout, à partir du moment où une institution n'utilise que des logiciels propriétaires, elle peut très bien, je veux dire. Quelque part, il y a une erreur qui serait de mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. C'est aussi une façon de, ça peut être une façon d'aborder la question avec une institution, de lui dire, bah après tout, qu'est-ce que ça vous coûte de tenter une expérience, de voir ce qui se passe, de regarder concrètement les effets. Moi, je crois beaucoup à cette vision pragmatique des choses, quoi. Très bien. Avant de donner la parole à Hélène, une dernière question qui m'avait échappé, elle vient de Bruno. Bruno Tison, il dit la fracture numérique des pays en développement, l'Afrique par exemple, n'est-elle pas un frein trop important à la volonté de la francophonie? Et j'imagine qu'il veut dire à la volonté de répartition, distribution des ressources éducatives libres là. Alors, on peut le voir comme un frein, on peut le voir aussi un peu comme une chance. Je pense notamment au développement important des téléphones portables, je pense en Afrique actuellement, qui peuvent être des vecteurs en fait de la comment dire des ressources éducatives libres, un vecteur important. Clairement, le modèle ne sera pas le même que dans les pays industrialisés occidentaux classiques, c'est clair. Il faut sans doute inventer le modèle. Je suis pas certain comment dire que le Bon, évidemment, on peut se dire il n'y a pas Internet partout, mais quelle sera la réalité dans 5 ans? Est-ce que peut-être que au contraire le terrain sera très favorable en fait au développement des réels, quoi. Bon, en tout cas, actuellement, je dirais qu'il y a les deux, quoi. Il y a à la fois des opportunités,
des difficultés, c'est évident. Maintenant, le fait que des institutions internationales aient pris le pli de développer des règles, à mon avis, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, quoi. Voilà. Côté Hélène, qu'est-ce que tu observes de ton côté? Je pense qu'on a fait un bon survol des questions et tout ça. Il y avait un autre commentaire. Comment faire ressemer le concept sésamètre vers d'autres disciplines scolaires? On lui a répondu celle-là. Oui. Je pense que... Mais c'est une vraie question, une vraie difficulté. Hein? Oui. Voilà. Et côté, est-ce que les gens ont contribué un peu au Framapad, Hélène? J'étais un peu seule, je pense que les gens ont surveillé et moins de contributions de ce côté-là, mais je pense qu'on a fait un bon survol des questions. Ça bougeait vite dans le Hangout, ça fait, oui. Je pense que c'est très bien apprécié. Alors pour conclure, Sébastien, on va juste revenir vers l'invitation parce que je crois que c'est effectivement la meilleure façon. Tu disais, il faut que les gens aient des exemples et ils sachent qu'est-ce qui fonctionne pour des exemples pragmatiques pour les allumer. Donc, on va réitérer l'invitation à tous les participants au cours, les participants particulièrement des pays en voie de développement, ceux qu'on entend moins. On a parlé de l'Amérique du Nord, on a parlé de l'Europe, mais bon, qu'est-ce qu'il y en a en France, ou plutôt, excusez-moi, en Afrique, et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, envoyez-nous vos vidéos, envoyez-nous vos idées, vos textes, et puis nous, en bout de ligne, on aura une belle ressource, puis je te félicite, Sébastien, c'est absolument remarquable, ta réflexion. Je crois que c'est pionnier aussi, ça n'existe pas beaucoup, ça intéresse énormément les gens. Merci à vous, merci pour la conception de ce club, au-delà donc de vos ressources financières, hein, si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, donc il y a un côté militant, mais qu'on sent bien, hein, je veux dire... Alors, il y a les deux aspects, je pense que c'est important, il faut faire coexister les deux, quoi. Une bonne illustration, finalement, je trouve, en soi. Bon, si on arrive modestement, je pense, mais résolument à collectionner quelques expériences et à faire avancer un petit peu la roue, bah, ce sera bien. La technique des petits pas est une technique qui marche bien, hein. Donc, un petit pas, voilà. Si on arrive à faire ça, ce sera super. Merci beaucoup, en tout cas. Tu t'adressais au coureur de marathon en moi, n'est-ce pas? Alors, merci à toi, Sébastien. Merci aussi à Hélène et Abdel qui étaient au soutien. Et merci à tous nos participants d'avoir écouté. Et puis, on vous fera part du trafic, mais je crois que ça a été une très, très belle réussite aujourd'hui. Merci, Sébastien, énormément. OK.